Oh là là, cette... Je viens de finir de régler mon son à la seconde. À la seconde. Je peux même enlever mon casque, voilà. Là, je suis tranquille. Je vais pouvoir chill. Eh, j'ai le droit aussi. Si vous regardez, je chill pas souvent en live. Hein. Je me fais quand même constamment péter le cul sur Divide and Conquer. C'est... Je fais des exposés où il faut que je retienne mes 50 trucs de conneries. Éruption, non, j'ai pas d'éruption à Reykjavik, ça va quand même. Ça va, hein. Gustav Adolf, putain, le pseudo, quoi. Eh, au moins, bon goût, voilà. Là, au moins, je peux chill, discuter, tranquille. Je peux prendre le temps de lire le chat. Bon, voilà le puzzle de la soirée. Je crois que c'est un 260 pièces. Bon, on va commencer, hein. On va commencer, tranquille. Quoi, je vais mettre la musique aussi, moi. Voilà, tiens. Voilà, tranquille. On va commencer avec des bordures, hein. Hop. Les bordures, comme d'habitude, on va essayer de... Oh, ça s'emboîte. Magnifique. On va essayer de trouver le maximum de bordures. Non. Ah, au-dessus. Hop. Forcément, il y a beaucoup de pièces, hein. Il y a des tronches. Je vais mettre les tronches de côté. Regardez, là, regardez les tronches. Hop. On va mettre tout ça ensemble, les tronches. Et après, on les... C'est des cheveux, ça. Ouais, c'est des cheveux. Hop. Ouh, j'ai un coin en bas à droite. Coin en bas à droite. Des coins en bas. Des coins sur les côtés. Coin au-dessus. Non, ça va pas ensemble. Coin en bas. Peut-être comme ça, hein. Allez savoir, je sais pas trop. Hein. Je me rappelle plus trop à quoi ça ressemble quand même. J'ai sélectionné cet après-midi. Il y a plein de tronches, ça je me rappelle. Là. Comme ça. Non, il veut pas. Hop. Non, mais hey, là le puzzle, on fait chill, vous voyez. Mais pas là pour le faire vite. Ça au-dessus. Comme ça. Non. Là c'est trop petit. Ouh, là ça va comme ça. Voilà. Écoutez, là on trouve plein de pièces. Oh, ça va ensemble. Magnifique. Ouh, ça ressemble à un front, ça. On va le mettre là-haut. Alors. Ouh, là je vois un bord. Oh non. Viens là. Non. Voilà. Comme ça. Yes. Ouh, ça c'est le coin en bas à gauche. Je l'ai trouvé. Ouh, ça va pas là, ça. Mais si que ça va là. Oh, non. Comme ça. Ouais, c'est cool de chill aussi un petit peu. Ah ouais, toujours streamer en se concentrant. Là, il n'y a pas besoin de... Oh, ça rentre. Il n'y a pas besoin de trop se concentrer, c'est chouette. Est-ce que ça irait pas ça là? Non, non, c'est pas les mêmes teintes de couleurs. Là non plus. Ouh, là. Ouh, les couleurs. Ouais, regardez le coin en bas à droite, là. Il s'emboîte bien, là. Encore une bordure. Comme ça. Non. Non, non, là, il voudra pas. Comme ça. Ça permet aussi de tailler le bout de gras tranquille. De répondre aux questions. Des fois, je peux pas répondre quand je suis en... Quand faut que je fasse un exposé à la con, là. Comme ça arrive souvent. Mes trois exposés... Oh, ça rentre. Mes trois exposés par semaine. Oh oui. Oh oui, quatre. Comme ça. Non, ça serait trop beau pour être vrai. Hop là, on va taper dedans. Ouh, là. Eh. Oh non, ça passe pas. Là. Oui. Alors, hop. Oula. Non. Je chasse toujours les coins, histoire qu'on ait un peu une idée de à quoi ça ressemble. Oula, je vois un coin, là. Comme ça. Toi, là. Tu vas pas là? Non. Là. Ça va en bas, au moins. Comme ça. Bon, on a déjà fait un premier ménage dans les coins. Là, j'en vois. Là, j'en vois plusieurs. Comme ça. Non. Ah non, c'est le coin en haut à droite. Hop. Magnifique.
Et là, j'envoie un autre. Voilà! Pas mal! Pas mal! Là, il y en a un autre. Voilà, magnifique! Ouh, ici j'en vois un. Hop! Voilà, tiens à toi. Comme ça? Non, comme ça. Voilà! Et là? Voilà! Mais c'est incroyable! Comme ça? Yes! J'ai un très gros morceau là de fée, hein, déjà. Ça, c'est bon. Hein. Et là? Non? Non? Comme ça? Non. Peut-être là-haut, ça y ressemble un petit peu. Hein. Que sort un film pour les Royaumes? Ouais, fin d'année! Décembre, je crois, 24 décembre! On avoue que j'avoue que j'ai hâte. Hein. Encore les anneaux de pouvoir, j'en ai, mais strictement rien à péter de cette daube. Encore là, j'ai de l'espoir qu'ils vont faire du très bon travail. Juste parce que y a des gens. Il y a des gens pas trop cons derrière la caméra. Et c'est très bon signe. Est-ce que. Non, ça là-haut. Oh oui, c'était comme ça. Il n'était pas en bas, il était en haut. Voilà, et ça. Oh, ça s'emboîte. Comme papa dans tonton. Fantastique. Et toi, ça va là-haut, comme ça. Voilà. Ouais, pour Noël. J'avoue que j'ai hâte. Hein. Là, je me ferai pas payer pour aller le voir. Ça, je peux vous le dire. Hein. Oh oui. Eh, on est pas mal là. Hein. Les bordures, ça avance. Hein. Et là. Non, comme ça. Non plus. Fuck. Bon, c'est pas grave. On va continuer à chasser. Là, là, une nouvelle bordure. Ça, ça va. Là. Voilà. Pas mal. On va continuer à nettoyer un petit peu, là. Oh, ça, c'est une bordure. Ça va, là, ça. Voilà. Fantastique. Hop. Ouh, ça, c'est pas une bouche, ça? Je vais le mettre là, tiens. Je pense que c'est peut-être des sourcils qu'il y a là. Là, ça, ça vient en bas. Mais je sais pas trop où. Comme ça. Oh oui! Direct. Ouais, pour Noël, ça va être chouette. Hein. Et comme je dis, je pense que ça va être un très bon truc, les anneaux de pouvoir. Les anneaux de pouvoir. War of the Rohirrim. Parce qu'ils ont choisi une petite période. Ils ont choisi une petite période, ce qu'il fallait faire. Faut pas raconter une histoire trop grosse comme ces abrutis là des anneaux de pouvoir. Qui veulent raconter une histoire. Qui voulaient trop raconter de choses à la fois. Ils ont choisi une histoire du lore qui est plutôt bien couverte. Ouh là là, est-ce que toi là. Non. Bon, peut-être comme ça. Et toi, tirez pas là. Ah non, putain, j'aurais vraiment cru. Hein. Ouh, toi, tu vas en bas. Toi, tu vas en bas. Mais je sais pas où. Oh, je sais vraiment pas où tu vas, toi. Salut, Coflavius. Oh oui, tranquille. Là, il y en a un autre. Oh là là. On en trouve des jolis, là. Ça s'emboîte. Là, il y en a un autre qui va là. Voilà, et peut-être que là. Non, là, toi, tu irais là. Oui, 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 tu vas là. Voilà. Eh. Là, il y en a un autre. Il va là. Hop. Et voilà. Pas mal, hein. Regardez là, toute la longueur là. Et là, hop. Tu vas pas là, toi? Non. Voilà. Oh, on y est presque. J'ai presque une première longueur entière. On va tranquillement y arriver. Hein. Tranquillement, mais sûrement. Ouh, là, il y a une bordure là-haut. Elle va là. Voilà. Ouh, là, il y a un bas, là, qui va... Où est-ce que tu vas, toi? Comme ça? Voilà. Et toi, là, est-ce que ça ferait pas ça? Oh oui! Pas mal. Et ça, t'irais pas là, toi? Hop! Regardez-moi ça. Et hop! Voilà. Et toi, là? Voilà. Eh, on y est presque.
C'est Gandalf contre le Balrog. Tu sais, figure-toi que j'ai pas pris Gandalf contre le Balrog parce que vous auriez trouvé tout de suite. Vous auriez trouvé tout de suite Gandalf contre le Balrog. Rien que, on voyait très bien le fouet et les couleurs très orangées, donc c'était le Balrog. C'était le Balrog de Jackson. Et vous auriez trouvé tout de suite. Bon. J'ai presque mon cadre. Les premiers morceaux de mon cadre totalement assemblés. Ouh, ça c'est un visage, ça va aller là-haut avec les autres. Ouh là, regardez, il est pas beau lui là? Hop, non. Oh, il s'envoie de nulle part. Par contre, toi, l'étoile là. Voilà! Voilà! Et toi là, tu vas pas là? Non, tu vas pas là. Dommage. Oh oui, là, ça s'emboîte. On y arrive. Ouh, là, il y en a un autre. Voilà! Superbe. Eh, il y a beaucoup de pièces, hein, 260. Ouh, là, toi, tu vas là. Et je crois que ça y est. Wouh! J'ai ma première bordure en entier! J'ai ma première putain de bordure. Ouh, attendez, là, ça va là. Non? Non, ça va pas là. J'y ai cru pendant une seconde, mais non. Il me manque encore des pièces du cadre supérieur. Maintenant, avec le code couleur, on va pouvoir commencer à réfléchir un petit peu. Eh, regardez, on voit Gandalf à gauche, là. Là, il y a des yeux. Regardez, sourcils. Hop. C'est pas des sourcils, ça ? Oh, je vais les mettre là dans le doute. Maintenant qu'on a les codes couleurs, on va pouvoir commencer à réfléchir. À essayer de trouver les codes avec les étoiles. Comme ça, là. Hop, je l'ai trouvé! On va pouvoir jouer avec les codes couleurs des étoiles. Voilà! Et essayer de trouver où elles vont. Voilà! Et toi, là, où est-ce que tu irais, toi? Là, très clair, comme ça. Ah non, tu dois aller dans ce coin-là. Là, c'est très noir. Voilà! Oh, magnifique! Là, pareil. Non, trop petit. Non. Aïe, aïe, aïe. Voilà, magnifique, ça s'emboîte. Il ne manque pas grand-chose, là, pour finir le bas. Oh, oui! Ça, c'est très clair, ça va, là. Voilà! Oh oui! Regardez, j'ai même réussi à faire tout le cadre, là! C'est beau! Et là, tu vas là. Voilà! Là, la couleur un peu bleue, comme ça. Je sais pas trop où ça va. Peut-être là, plutôt. On va attendre un petit peu, on va trouver d'autres teintes. Il y a du sombre, ici. Voilà! Le speedrun, non, non, moi, je fais pas de speedrun, hein. Je viens pour chill, hein. Le speedrun, c'est pas amusant. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Moi non. Rien à foutre des speedruns. Hein. Quel enfer, les speedruns. Faut savoir profiter de l'expérience. Où est-ce que tu vas, toi? Comme ça, non? Non? Je sais pas où tu vas, toi. Toi, je sais pas où tu vas. Là. Couleur un peu claire. Non. Si seulement je pouvais finir entièrement le cadre dessous, là, ça nous mettrait putain de bien, hein. Là, toi, tu vas là. Voilà. J'ai encore quelques couleurs des étoiles, comme celle-là, là. Hop. Toi, comme ça, tu vas là. Voilà. Ou du noir complet, comme ça. Est-ce que tu irais pas là? Voilà. Oh, là, pareil, noir complet, ça va là. Voilà. Ouh, une jolie couleur étoilée avec un ton rosé, avec des étoiles. Ça irait pas là. Voilà, pas mal. Il y a le visage de Tranduil. Bien vu! Il y a absolument le visage de Tranduil. Tu reconnais au sourcil, peut-être? Mais il y a le visage de Tranduil. Je me rappelle plus. En fait, j'ai vu le truc cet après-midi. Et je le montre pas exprès. Donc, j'essaie de le faire de mémoire aussi et de jouer avec les couleurs.
Ça serait vraiment plus facile si je regardais, mais un peu de challenge. Là, ça doit être dans le coin. Oula, je pense que ça doit être comme ça, là, dans ce coin-là. Mais bien vu pour le visage. Ouh là là, ça là, ça va comme ça. Voilà. Et toi, tu vas là? Non. Un peu plus clair? Non. Ça doit pas être loin. Bah, si seulement je trouvais mes derniers bords là. Ouh là, noir complet. Voilà. Et toi là? Non, trop petit. Le sourcil est reconnaissable. 30 d'huile, c'est vrai, à des sourcils. En tout cas, le. Ouh, non. Hop là! Ici j'ai un morceau, je ne sais pas où il va aller. Est-ce qu'il n'irait pas là? Mais si, il va là! Mais regardez si c'est pas beau! Et toi, tu n'irais pas là? Si, j'ai un énorme morceau. Hein. J'ai un énorme morceau. Là j'ai aussi du. Regarde un peu la teinte de couleur. Est-ce que ça irait pas un peu sombre? Là. Voilà. Là, il y a des teintes blanches colorées qu'on va garder. Oh! Oh, bah parfait. Comme ça, peut-être. Je vais les mettre là-haut avec les autres visages. Il y a des teintes de couleurs très spécifiques là. Regardez comme ça. Comme ça. Moi, je me rappelle de ce que c'est. Il y a une trogne. Non, mais ça va peut-être là ou là, je sais pas. Comme ça. Là, on a du coloré, peut-être là, ou là, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Là, pareil. Ouh, ça va pas ensemble, ça? Non. Par contre, ça va peut-être là, comme ça. Oui! J'ai toujours... Ah, ouh, regardez ce que je viens de... Non. Où est-ce que ça irait, ça? Comme ça, non. Ça, je sais pas où il va lui. Hein. Mais il y a quelques étoiles, on va le garder. Il y a quelques étoiles, on va le garder. Là, pareil, il y a des étoiles, couleur un peu claire. Est-ce que ça irait pas là? Non, les étoiles sont blanches, ça va là. Hop là! Non, non, ça s'emboîte pas, il me manque. Ouh là, il y en a un autre. Comme ça. Hop là, voilà. Là, encore du noir. Comme ça, non. Un peu clair. Un petit peu clair. Non. Ouh là, ça va ensemble. Là, ça va ensemble avec les couleurs. Merci pour ton taf. Ouais, t'inquiète, c'est cool, hein. J'appelle pas ça du taf. Ouh, regarde ce que je viens de trouver. Hop là! J'appelle pas ça du taf. Des fois, j'ai du travail. Je peux te dire que c'est pas la même affaire. Hein. J'appelle pas ça du travail. C'est un hobby. Mais merci à toi de venir prendre le temps de. Eh, ça va comme ça. Hein, je suis sûr. Hein. Je suis sûr que ça va comme ça. Hein. Là, il m'en manque un. Comme ça. Il nous manque encore pas mal de bordures, hein, mine de rien. Il nous manque pas mal de bordures. Si les gens, si on peut éduquer les gens sur le lore, comme ça ils appréhendent mieux les. Ouh, j'ai trouvé le coin droit. Ils appréhendent mieux les bouses comme les anneaux de pouvoir. Moi je dis go, let's go. Voilà. Comme ça là, c'est pas mal. Ça avance bien. Fais un peu de ménage. Ouh, j'ai trouvé d'autres étoiles là. J'ai trouvé d'autres étoiles. Ouh là là. Où est-ce que ça va ça? Ça a l'air un peu sombre. On va peut-être le mettre là. Comme ça. Je sais pas trop, hein. Aucune idée. Hein. Pépé ASMR? Tu veux que je parle délicatement? Putain, Glaps. Qu'est-ce que tu fous là, Glaps? Tu viens me voir faire mon puzzle? Éruption? Mais non! Oh! Attends, je vais aller voir. Envoie. Tu as des liens pour moi? Envoie-moi le lien en privé, s'il te plaît. Attends, YouTube. Oh, une éruption. Bah écoutez, je vais. Putain. Je vais pas faire un live maintenant, hein, mais. Le Blue Lagoon, très probablement. Ah, live!
Alors. Number here and I'm checking. Non, je veux pas avoir un connard qui parle. Ah, live. Torbjörn 2. Ça a pété où, Sam? Ça a pété où? Alors, Torbjörn 2. Ça a pas l'air très très gros. Mais c'est peut-être que le début de l'éruption. Bon, l'éruption vient de commencer! Voilà! Vous vous rendez compte? L'éruption vient de commencer. Some of those warning signs. Non, mais toi. C'est une belle faille. C'est pas un nom. Torbjörn 1. Je vois pas où c'est exactement au niveau de la carte. Je vois pas trop où c'est. Difficile à dire. Bon, c'est pas une. Ça a pas l'air d'être en tout cas sur le Blue Lagoon ou Grindavik. Je vais continuer mon puzzle, hein. J'irai voir après voir. Je vais pas faire un spécial maintenant éruption. Hein. Le timing est un peu merdique. Ouh, regardez là. Hop! Hop! J'ai toute la bordure! Pas mal. Ouais, malheureusement, là, l'éruption, je vois pas trop où c'est. Ah, tiens, récapit. Ah, multiview, voilà. Bon, vous voulez voir en vitesse Vous voulez voir l'éruption en vitesse? Je vais vous mettre l'éruption, ok? Hop. C'est en live, hein. Vous êtes peut-être les premiers Français à voir ça. Hop. Hop. Voilà. C'est en live. C'est en live. Bon, visiblement, ça a l'air d'être aux mêmes endroits que précédemment. Elgafell. Donc ouais, la cinquième éruption dans la même zone en quelques mois, ça ne s'arrête plus. On va sûrement avoir beaucoup de lave qui va couler cette nuit et d'ici 24 heures, ce sera terminé. Voilà. Donc ouais, rien d'exceptionnel. Visiblement, ça a pas l'air d'être dans une zone très dangereuse. Il y a Grindavik qui a maintenant des murs de défense, le Blue Lagoon aussi. Donc ça va sûrement couler, c'est le même endroit que d'habitude. Voilà. Ah, Gina qui a trouvé l'image. Voilà, donc pour le moment, peut-être que demain, on verra si je fais un petit live, peut-être demain, début d'après, mais je pense même pas qu'il y aura besoin. Donc, ouais, jolie petite éruption qui vient de commencer, sûrement. On voit que la lave commence tout juste à sortir. Voilà. Bienvenue en Islande où j'ai une éruption. Là, je pense que si je regarde de mon balcon, je vois peut-être la lueur rouge vu que j'ai juste le bout quasiment du truc. Donc, j'ai une éruption à 20 km de chez moi. Bienvenue dans mon monde. Ça a démarré, ouais. À l'instant, voilà. Petite minute spatiale. Bah, les minutes spatiales, c'est le samedi en début d'après-midi. Donc là, aller en live. Et tu parlais d'éruption. Bah écoute, je me disais que peut-être que t'étais au courant, mais ça vient de débuter, Sergent Rosewood. Bah voilà. La minute spatiale, elle est live depuis tout à l'heure. Tu vas la voir sur YouTube. La rediff est déjà là. Et voilà. Bon, écoutez, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire un putain de puzzle. Et ce qu'on peut faire. Non, je peux même pas la mettre en double arrière-fond. Ouais, tant pis. Mais c'est... voilà. On aura sûrement des belles images plus tard. Hop là. Bon. On continue le puzzle. Ça avance bien. Là, il y a du blanc. Là, il y a du blanc aussi. Est-ce qu'il n'y a pas du blanc qui irait ensemble, là, comme... Il y a du blanc et du noir. Oh. Oh oui. Hop. Non. Non. Je sais pas trop. On va laisser ça comme ça. Faut savoir comment la situation évolue. On l'attendait depuis on l'attendait depuis presque une semaine, cette éruption. Hein. Elle était, cette éruption était attendue quand même. Hein. Elle était même en retard en termes de data par rapport à ce qu'on sait maintenant de comment fonctionne le système. Ouh là là, ça va dans le coin. Ça va dans le coin. Oh bah, voilà, je l'ai. Putain. Voilà. J'ai toujours pas toutes les bordures.
Mais là, on commence à avoir des codes couleurs intéressants qui ressortent. Là, j'ai du noir, là. Allez, hop, ça va dedans. Et là, non. Là, ça fait ça. Hop! Pas mal. Et là, est-ce que ça, là, ça irait pas là? Si! PPGM! Hiero, tiens donc! Donc ouais, attendez, on va quand même regarder un petit peu la lave. C'est pas souvent que vous avez une éruption en live, hein. Regardez ça. Juste à côté de chez moi. Je dois pouvoir voir la lumière, là. Quoique le temps est un peu merdique. Voilà. Sympa. On l'attendait depuis... on l'attendait un petit peu, quand même. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est cool. Bon, c'est pas c'est pas dans une zone dangereuse, en tout cas. Ça a déjà coulé ce moment-là précédemment. C'est pas à Grindavik, de ce que je vois. Et c'est pas non plus près du Blue Lagoon. Par contre, allez savoir où la lave peut couler, mais il y a des murs de défense qui ont été installés et tout. Voilà. Belle petite éruption, en tout cas. Bon, retournons à nos moutons. Ça, là. Comme ça, non? Non, ça doit aller dans le coin, hein, au niveau code couleur. Oh, putain. Hiero qui vient annoncer... Hiero, ils savent pourquoi ils sont là, les gens, t'inquiète pas. Ouh, là, ça va, là. Ça s'emboîte parfaitement. Voilà! Et là? Oui! J'ai réussi à mettre quasiment tout le cadre! Il me manque deux pièces là-haut et des petites bordures. J'ai trouvé une bordure qui doit aller là. Voilà, et là, ça s'emboîte. Hop, il me manque pas mal de bordures là-haut, en fait. Il me manque pas mal de bordures. Mais c'est pas grave. Il me manque pas mal de bordures, mais on va les trouver. Ouh, du blanc, là. Est-ce que ça irait pas là? Comme ça. Attendez, ici, il y a du schlimblick. On doit pouvoir faire quelque chose, là. Comme ça, là. Hop! Comme ça? Non. Comme ça? Non. Non. Et là, toi, tu vas là. Non, toi, tu vas sûrement là, comme ça. Bon, déjà, on a le cadre et tout, c'est plutôt pas mal. Les codes couleurs, on va continuer à bosser dessus. Là, ça va, je pense. Quelque part par là, sûrement. Là, en blanc, comme ça. Voilà, on l'a trouvé! Et ça, là, où est-ce que ça va, ça? Là, un espèce de ciel léger, ça va là. Voilà, du premier coup. Là, la bordure comme ça. Comme ça. Oh oui. Pas mal. Et ça va pas là, ça. Non, ça va pas là. Ça va pas là comme ça. Ça, c'est une main. Ça, c'est une main. Là, il y a encore un code avec du blanc. On va essayer de récupérer tout ce code couleur, là. Ce code couleur... On va réussir à le coller quelque part. Hein. Comme ça, là. Ouais! À force de chercher, on va finir par trouver. Il faut de la patience pour faire ça. Hein. Rappelez-vous, on est là pour chill. Hein. C'est pas une course. Hein. Non. Non. Ah oui, là on trouve. Je sais pas où ça va, mais ça va aller quelque part. C'est ça le truc. Ça va aller quelque part à un moment ou à un autre. Ouh, ça... Alors, toi, là... Toi, tu vas dans ce coin-là, au niveau couleur. The best of hell, c'est un puzzle. C'est vrai, John Clafouti. Peut pas y avoir de puzzle. Peut pas y avoir de fail sur mon puzzle. Je retourne voir l'éruption en vitesse. Ah ouais, là, il y a beaucoup de lave. Mais comme je dis, ça a pas l'air d'être dans le plus mauvais... Ça, c'est vu de Grindavik, à gauche, en haut à gauche. Donc là, c'est assez loin de Grindavik. Donc ouais, c'est sûrement aux endroits précédents. C'est pas trop proche de Grindavik et pas trop proche du Blue Lagoon. Donc il devrait pas trop avoir de soucis, normalement. Ah, il y a moins de Wrangler. Là, je peux pas trop rager. Hein. Ce qui est bien, d'ailleurs. Parce que bon, c'est pas sain de rager hein, non plus tout le temps. Hein. Ouh, toi, là. Toi, c'est le code couleur qui m'intéresse.
Trouvé! Regardez, là, on a... Je sais pas où ça va. Je ne sais pas où ça va, là, mais ça va. Comme ça? Eh, non. On arrive à... Il y a le code couleur blanc, là, on l'a. Tiens, regardez, lui, là. Comme ça? Non. Il doit être pas loin. Il n'a pas été posté sur YouTube. Il n'a pas été posté sur YouTube parce que YouTube me la flag. YouTube me la flag. J'ai dû faire trop de kills avec Imaril. YouTube n'a pas aimé... Ma flag la vidéo, donc je dois demander la review manuelle d'un modérateur. Dites-vous qu'à chaque fois qu'une vidéo n'est pas là dans les 2 heures, c'est parce qu'elle est flag, tout simplement. Et que ça va me prendre 3-4 jours pour qu'un modérateur regarde et autorise la diffusion de la vidéo. Bienvenue dans mon monde. C'est comme ça que ça marche. Oh oui, là, il va direct. Ouh, là, attends, là, il y a un code couleur. Il y a un code couleur qui vient là. Oh oui! Oh, j'ai réussi à mettre une jolie petite ligne, là. Voilà. Ouh, là, regardez, là. Non. Là, la teinte, là, elle est vraiment pas loin. Ou ici? Non, je sais pas. J'aurais dit là, mais on va la mettre de côté. On va la mettre de côté. Ouh, du noir. Du noir légèrement coloré. Je sais pas trop où ça irait. Non, je sais pas. Ouh, là, il y a du blanc. Comme ça, direct, on le trouve. Bam! Et toi, est-ce que tu irais pas là? Attendez, je crois que j'ai un bon coup, là. Voilà! Magnifique! Là, non. Pas facile, hein. Cette partie-là... Moi, je sais ce que c'est, mais c'est pas facile à trouver le sens. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Pas comme ça. Pas... Oh oui! Putain, j'ai trouvé un gros morceau, là. J'ai trouvé un très gros morceau. Est-ce que ça, ça irait pas là? Non. Ouh là, non. Zut. Ils sont dingues sur cette plateforme. Mais en fait, c'est un bot. C'est un bot qui me flag. C'est un bot qui me flag. Et moi, je dois demander une review manuelle pour dire... Oh, j'ai trouvé le dernier, là. Que le bot... Je ne suis pas d'accord du résultat du bot. Et je veux une review manuelle de quelqu'un. Et ça prend du temps d'avoir un mec qui vient faire ça. Ouh là là, une couleur un peu rosée, là. Où est-ce que je peux mettre ça? Peut-être par ici? On va le garder en réserve. Donc ouais, ça prend du temps, à demander une review manuelle de ce genre de choses. Ouh, du blanc comme ça, là. Attends, mais ça je l'ai vu plusieurs fois. Je vais le mettre de côté. Comme ça, quand j'aurai la cassure... Ouh, là. Est-ce que ça serait pas du... C'est le même code couleur. Légèrement décalé. Je vais le garder en réserve. Je vais le garder en réserve. Bah, vous découvrez là. Ou alors toi, légèrement. Ah, pas facile, hein. Mais ça devient n'importe quoi à ce niveau. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il suffit qu'il y ait une charge d'Imaril avec la. Je pense que c'est la cavalerie lourde qui fait des gros impacts. Véritablement, hein, je déconne pas. Hein, qui, visuellement, est le bot sans plan. Dis-toi que tous mes épisodes avec les nains ou avec l'Isengard se faisaient flag. Tous. Extrêmement chiant, mais c'est comme ça. Attendez, je rejette un petit coup d'œil à l'éruption. Regardez la quantité de lave qui sort. Encore une faille classique. Ça a dû commencer tout à l'heure. On voit qu'il n'y a même pas de cratère ni rien, donc ça va durer comme ça quelques heures et après ça va se calmer. Beaucoup de magma. Mais ouais, ça a l'air d'être un petit peu au nord de Grindavik. Rien d'exceptionnel. En tout cas, on pense. Parfait. Je surveille ça. Penses-tu continuer? Je pense que j'ai fait le tour des Fallout. À moins de rentrer dans des petits détails de certains événements, j'ai fait ce que je voulais faire sur Fallout. De présenter le gros du lore. Voilà. Non, non. Comme ça, non, je pense pas. Ouh, attendez. Hop! Eh, pas mal, là! Pas mal.
Oh, mais ça va là, ça. Voilà. Et regardez la tronche de Tolkien qui apparaît. On l'a. La tronche de Tolkien. Ça, je sais pas trop où ça va. Ouh, ça, c'est un sourcil, ça. Je vais le mettre de côté. Ça aussi, peut-être. On verra bien. Tolkien est en train d'allumer sa pipe. Et toi, tu vas là. Voilà. Toi, tu vas là. Voilà. J'aime quand tout s'emboîte comme ça, peut-être. Hop. Ta pièce en bas au milieu. Non, mais j'en sais rien où elle irait. Tu te rends compte que de ton bas, j'en sais rien, moi. Ça sert à rien de vouloir backseat, les gars, sur un puzzle. Je ne vois pas. Voilà. Ouh, là, je vois un petit bout d'étoile. Regardez. C'est celui-là, là. Est-ce qu'il irait pas là? Voilà. Oh putain, après, ça va être compliqué. Hein. Regardez les codes couleurs, tout se ressemble. Absolument tout se ressemble après. Ça va être une énorme galère. Déjà là, on a bien avancé. Oh là là, la galère que ça va être après. Au niveau du code couleur, tout se ressemble. Oh là, je l'ai trouvé direct. La toutoune. Là, c'est un peu plus sombre. Est-ce que ça irait pas là ou là? Non. C'est qui sur le puzzle? Là, c'est Tolkien qui allume sa pipe. Moi, je reconnais, je connais l'image. C'est Tolkien qui allume sa pipe. Est-ce que là... Eh! Non? Non. Ah, putain, dommage. Ça aurait été fantastique que ça s'emboîte. Mais est-ce que... Oui! Pas mal. Et ça, là? Oh, oui! On l'a! On a emboîté Tolkien! On a emboîté Tolkien. Pardon Tolkien, c'est pas ce que je voulais dire. On t'a pas emboîté. On t'a pas emboîté, c'était une blague. Oh oui, là je le trouve direct. Titre x2, quoi titre? Quoi titre, Argelenor parle français là. Regardez l'éruption en même temps, il faut que je regarde. Hein. Et c'est voilà, magnifique. Oh là là, la quantité de lave qui sort, superbe. Superbe. Par contre, je fais mon petit puzzle. En même temps, je regarde mon éruption derrière. Voilà ce que j'aime, une bonne soirée. Hop. Bon, on va continuer. Ouh là là, là, il y a une couleur qui m'intéresse. Ah non, ça, c'est une tronche. Bah, c'est Tolkien. Voilà, le visage! Et là, pareil. Là, là. Regardez. Hop! Regardez! Douceparsec, c'est pas le mec de la chaîne YouTube. Je vous cache pas que je le trouve un peu trop bof, quand même. Pourtant, je suis pas difficile, hein. Mais dans la bofitude, je trouve que ça va un petit peu loin, quand même, quoi. Hop! Hop! C'est ça, moi j'adore. Ah non, moi je trouvais ça trop. Trop pathétique en fait. Un peu trop merdique à mon goût. Comment est-ce que ça se place ici? Ça là. En termes de code couleur, ça irait peut-être là. Oh, il y en a, c'est pas facile à placer là. Oula, toi. Voilà! C'est bon pour avoir donc non, même pas. T'as vite fait le tour de l'humour. Moi, je regardais ça il y a longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était chiant. T'as vite fait l'humour cacaprout. Ça va un moment, mais ça peine à se renouveler, tu vois. C'est un des gros soucis de ce genre de format. Oh oui! Bon, attendez, là, je vais commencer à m'attaquer au montage et tout ça. Tu as le front de Tolkien dans le cadre en haut à droite. Bien vu! Hop! Propre, très propre. Là, ça a l'air d'aller derrière. Je pense qu'il y a un truc à monter ici. Il y a un truc à monter. Tiens, hop. Là, il y a de la couleur. En code couleur, on doit être dans le coin ici. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. C'est l'avantage de YouTube. C'est qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Vous avez le droit de pas aimer des choses.
D'autres ont le droit d'aimer. Il y en a pour tous les goûts. Ok, là ça a l'air... Oh, non. Il y a encore du noir, des couleurs un peu bizarres. Comme ça, là. Il y a encore du blanc, mais je trouve pas les bons teintes. Il est pas facile, hein, au niveau couleur. Au niveau couleur, c'est un peu merdique. Hein. Ouh, j'ai un visage, là. Regardez, le visage. Je vais le mettre là-haut. Dès que je trouve des traits de visage... Ça là. Ah, ça doit aller comme ça, je pense. Hein. Oh, ça va, tu vas pas. En haut, dans les sourcils, il y a un petit vêtement. Eh, hey, arrête de me péter les couilles. Ce backseat de l'enfer, tu t'entends? Pépé, regarde en bas à gauche, sur 3 cm, sur la droite, t'as un pli de vêtement. Eh ben, il y aura un pli de vêtement, et puis fous-moi la paix. T'as un train à prendre pour être aussi pressé? Là, en termes de couleur... Ouais, j'y ai cru là-haut. Hein. J'y ai vraiment cru. Non, là, on le trouvera pas. Là, du noir comme ça, du petit noir. Non, dommage. Ah, il est pas facile celui-là. On y était presque là. C'est ce que je consomme le plus, putain, le plus loin devant Netflix. J'ai même pas Netflix, j'ai aucune plateforme de VOD. Je vais sur Pirate Bay et je prends ce qui m'intéresse. Oh, non. Ouais, on a trouvé. Ah, la fumée là, au secours. C'est pas le front. Putain, pas facile, hein. Oh, non, dommage. Non. Ça va dans ce coin. Hein. Oh oui, là, on l'a trouvé. Ça, c'est la fumée. Hein. On est clair que ça, c'est la fumée, là, à droite. Comme ça, là. Oh, on a trouvé le crâne. Regardez. C'est Tolkien. C'est Tolkien qui allume sa pipe. Joli, hein. J'ai jamais filé un centime à Netflix. Jamais. J'ai pas l'intention de commencer. Ouh là, la fumée. Ça, c'est la fumée, hein. Est-ce que ça irait pas là? Ça doit aller quelque part par là. Là, on a des teintes de couleurs similaires. Il y a un truc à nous, là. Il y a un truc à nous. On va finir par trouver. J'aime bien cette petite teinte là. Hop. Ouh là, pareil. Les petites couleurs roses, elles nous intéressent. Hop, trouvé. Là, il y a du noir qui doit aller comme ça par-dessus. Voilà, on en a trois là. Ça doit aller peut-être comme ça. Ça va finir par s'emboîter cette merde. Là, il y a des étoiles. Ça doit aller comme ça. Comme ça? Non. Est-ce que... Non. Ça, c'est pas... Non, mais ça doit aller comme ça. Regardez, ça doit être une pièce qui... Putain, où est-ce que... Aucune idée. Hein. Non, mais... Hey. Titre x 3, mais... Si tu répètes titre, je te banne. Je comprends pas ce que t'essaies de me dire. Et si c'est le titre du live, le titre, il est à jour. C'est toi qui n'es pas à jour, tu vois. Putain. Ah oui, mais il avait du charisme, Tolkien. Hein. Tant en apparence qu'en attitude. Hein. Ouh, là. Ça, c'est de la fumée, mais je sais pas trop où ça va. Ah, la fumée lactée plutôt à droite de Tolkien, comme ça. Ah, c'est vrai que ça serait... C'est vrai qu'il y a le bien vu. Comparé au rosé à droite, là. Regarde. Oh, bien vu, mec! Bien vu! Voilà, ça change de titre x3, tiens. Quelqu'un d'utile dans ce chat.
Et là, comme ça, magnifique. Bien vu. Ouais, bah ta blague, tu l'as fait une fois. J'ai pas compris ta blague de merde. Pas la peine de recommencer trois fois. Si je suis trop con pour comprendre la ref, bah je suis trop con pour comprendre la ref, tu vois. Regardez, eh, ça, ça, hop. Pas mal. Ça, voilà. Là, 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 on trouve des codes couleurs. Hein. Non. Non. Il y a l'air d'avoir du noir. Ça pourrait être comme ça ici, peut-être. Ouh, regardez celui-là, là. Toi, tu vas là. Voilà. Ça doit aller comme ça. Ça doit aller comme ça, je pense. Hein. Quelque chose dans le genre. Hein. On va continuer à chasser. Je vais modérer mes ardeurs. Ouais, modère tes ardeurs, ouais. Essaye, hein. Essaye, hein. On n'est pas des bêtes, hein. Ouh, le code couleur ici, il est intéressant. Il y a des étoiles, là. Allez. Pas facile, hein? Non? Je sais pas où ça va, ça. Franchement, des fois, il y a des pièces, je sèche complètement. Non, mais on va les mettre un peu de côté, hein. On va les mettre un peu de côté. Et voilà. Hein. Bon. Ouah, regardez la couleur blanche ici, là. Non? Ouh, attendez, est-ce que toi... Non, non, tu vas pas là. Comme ça. Non. Ta pièce est quelle? Non, t'inquiète. Laisse-moi gérer. On n'est pas pressé. On va aussi commencer à, au fur et à mesure... Oh, non. Là, en termes de code couleur... Ah, on était pas loin, putain. Comme ça, ouais, ouais, ça pourrait être sur toute la longueur. Là. On va devoir chasser les petites pièces au fur et à mesure. Là, je suis un peu bloqué au niveau de Tolkien. Ouf. Ouais, bon. Et il me manque toujours un bord, hein. Il me manque toujours un putain de bord que j'ai pas trouvé, hein. Indécent, hein. Là, les codes couleurs sont pas faciles du tout. Hein. Tout se ressemble. Vous devez essayer de... trouver, de bidouiller. Là, il y a des codes couleurs. Non. Ça, là, on a la trogne... Oh. Non, on a la trogne de Gandalf à gauche. Je pourrais essayer d'assembler quelques visages, là. On va commencer, je vais faire un peu de ménage. Là, ça ressemble à la fumée. On va la mettre un peu de côté. Et là, j'ai récupéré plein de visages à la con. De morceaux de visages. Regardez. Vous voyez là tous les morceaux de visage? Il y a des beaux sourcils et tout. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouh, ça, hé, c'est pas Aragorn, ça? Peut-être, hein. Quoique. On a assemblé notre premier visage. Ouh, là, c'est... Vous avez vu tous les visages qu'on a? Ça, c'est cool. C'est pas Bilbo, ça? Et ça, ça va là? Non, comme ça? Non, oh putain. Non, ça va là, j'ai trouvé, c'est Thorin. C'est Thorin. Hop! Bilbo, Thorin, Aragorn, ça ressemble. On avance. C'est un puzzle sur Tolkien et son univers, absolument. Avec la fumée de la pipe, Hiero. Sa pipe enduite de miel. On va essayer de trouver maintenant des traits de visage caractéristiques, de en avoir un paquet.
Même la barbe de Gandalf devrait pas être trop dure à trouver. La trogne de Gandalf. Je vais essayer de chasser un peu. Ça, et ça là. Ça là. Hop, trouvé! J'ai trouvé la barbe de Gandalf! On dirait Gandalf à gauche. Merci, Thorin, le truc dans la Red Bull, putain. Au secours. Oh, j'ai trouvé le. Ah là! On a le cadre en entier. Eh, ça, c'est pas un visage, ça, avec un nez? C'est un nez, ça! On est clair que c'est un nez, hein. Hop, lui, on l'a trouvé. Non, non. Bon, je vais le mettre de côté. On va essayer de chasser un peu les visages. Maintenant qu'on a éclairci beaucoup de choses, qu'on a viré tout le noir, là pareil. Je pense que tout le noir va en bas. Ou là. En tout cas, on n'est pas loin d'avoir trouvé une partie du merdier. C'est pas le front de Tolkien. Juste à gauche de son front. Ouais, bien vu. Hop là, bravo. Là, les étoiles. On voit encore un peu les étoiles. Est-ce que ça serait pas. Et... Putain, je sais pas où il va lire. On va le garder comme ça. Il y a encore des étoiles ici. Parfait. Ça va là. Voilà. Est-ce que ça irait pas là? Attendez. Dégagez. Regardez. Bingo. Bingo! Est-ce que ça serait pas la manche de Tolkien? Ça y ressemble, hein. Là, il y a de la fumée encore. Et hop, on l'a trouvé, la pièce qui va là. Alors, la pièce en bas que tu cherchais, c'est le bord de sa manche. Celle-là? Non. Parce que bon, il faudrait être plus explicite. Hein. Ah ouais, le but, c'est de pas trop. Oh, on y était presque, dommage. Ah, c'est pas loin, hein. Mais c'est pas ça. Trouvé! Trouver, là, il y a de la bordure noire. Ça pourrait très bien être le bord de la bubule. Regardez. La bubule, elle va aller dans le coin. Hein. Comme ça. Là, il y a des fronts vigoureux. Taurine. Pas rien à voir avec le taurine, la taurine de l'autre, là. C'est pas les yeux, ça? Eh! C'est pas trempe d'huile, ça? Est-ce que c'est pas trempe d'huile? Moi, je vous le demande. Et là, hop! Voilà! Comme ça? Et là, qui ça peut être? Ce visage-là. Ça, c'est la bordure de la bulle, hein, je pense. Hein. La bordure de la bulle. On peut pas citer. Pas trop quand même, tu vois. Non, mais les deux pièces noires vont en bas à droite. Ouais, ça, je le sais. C'est pour ça que je les garde là, parce que le code couleur correspond à ce coin-là, en tout cas. Ça me trigger énormément, parce que ça va, je sais que ça va là. Et voilà. Tu as une pièce à droite qui ressemble à une mâchoire gauche. Ça, là, peut-être. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Hein. On va la mettre de côté. Hein. On va la garder dans le doute. Pas facile, hein. Ça là, bien vu. Ça par contre, c'est pas Legolas, ça? Peut-être Legolas, hein. Ouais, ça c'est le menton de Aragorn. Hein. Ah oui, bien vu. Comme ça. Et peut-être que. Regardez, attendez. Est-ce que ça irait pas? Vous voyez la barbe de Gandalf? La bordure de la barbe de Gandalf qui serait peut-être comme ça. Hein? Quelque chose du genre. Ou comme ça. Et ça serait pas illogique que Aragorn soit à côté de Gandalf.
Sachant que là, il y a un front assez imposant. Bon, le trouver va pas être évident. Il faudrait que je trouve cette pièce de Gandalf pour commencer à... On va essayer de trouver la barbe de Gandalf. On va essayer de trouver la barbe de Gandalf. Là, il y a de la fumée. Ça, ça ressemble encore à de la fumée. Et ça, ça s'emboîte. Magnifique. On va essayer de trouver la barbe de Gandalf là pendant 2 minutes. Là. Non. Non. Ça doit avoir une teinte particulière, la barbe de Gandalf. La barbe est à gauche. Ok, tu l'as trouvée. Milieu gauche. Bien vu. Bravo les gars. Hop. Et ça s'emboîte normalement avec... Ça s'emboîte pas avec Aragorn. Mais peut-être que ça va comme ça, regardez. Je sais pas. On doit pas en être en tout cas. Bravo. Il y a de bons yeux. Le coin là, il doit être... Eh, attendez. Non. Non, dommage. On doit vraiment pas en être loin ici. Hein. Et toi, je sais pas où tu vas. Hein. Comme je dis, là, je commence à avoir un peu beaucoup de pièces. Dans le... C'est un peu le bordel. Je vais commencer à virer certaines pièces. On a trouvé pas mal de visages déjà. Ça, du noir comme ça, là. Est-ce que ça irait pas là? Si, trouvé. Voilà. Et est-ce que... Je me dis que... Ah, dommage, j'y ai cru, hein. J'y ai cru un instant. On va essayer de commencer à emboîter. Voilà, magnifique. Et là, hop, j'ai trouvé la gueule de Thorin. Comme ça. Crâne de Thranduil tout en haut. Ah ouais, bien vu. Et Thranduil irait là. Voilà, bravo. Beau petit coup d'œil. Le crâne de Thranduil, en effet. Donc on a déjà une première base avec la gueule de Thranduil. Et là, le sourcil de Thranduil. Est-ce que vous pensez... Non, c'est trop gros, je pense, pour le sourcil de Thranduil. Ouais. Par contre, ça ressemble au même trait, vous voyez. Là, là. Ça ressemble au même trait... Est-ce que ça, là? Non. C'est pas un bouton de manchette en bas à gauche. En bas à gauche. Ça, là? Non. Là. Non. Ça aurait pu... C'est pas Frodon le bout de visage à côté de Legolas? Ça pourrait être Frodo, en effet. Regarde. Est-ce que ça, c'est pas un visage, ça? Ça ressemble vachement à un visage. Hein. Je vais le mettre de côté. Tout se ressemble maintenant au niveau couleur. Ça va pas être facile. Hein. Regardez là. Je crois que j'ai trouvé une pièce... Ça ressemble à la teinte du vêtement. Mais ça l'est pas. Putain. L'enfer. Trouvé. On va jouer avec le code couleur. Hein. On va jouer avec le code couleur. Trouvé. Là, on est monté en hauteur dans la bubule. J'ai vu le bouton, la bouche de Frodo en haut à gauche. La bouche de Frodo, putain. Eh, ça, là. Bien vu. Pas mal. La pièce en bas à gauche, ça sera le front avec les sourcils de Thranduil. La pièce en haut à gauche. Ça, là. Non. Non. Par contre, en effet, pour Frodo, regardez en termes de code couleur. Si on n'a pas quelque chose de similaire, là, en termes de... Non. On doit avoir les yeux de Frodo, là. Est-ce que... Non, ça serait un peu gros, les sourcils. Trouvé ? Non. Ça se met en place. Ça se met en place. Sachant qu'il y a une autre tronche ici. Ça avance!
C'est pas facile, mais ça avance. Je vais essayer maintenant de placer. Parce que on voit que le. Je vais essayer de placer les côtés un peu sombres. Normalement, là, on doit pouvoir. On voit qu'au niveau code couleur, on doit bien avoir les. Il y a des bouts d'étoiles qui traînent. Est-ce que ça irait pas? Ah, pas facile. Hein. Et je refuse de regarder l'original. Ça serait trop facile. J'ai envie de galérer un peu, vous voyez. Toi là. Ah, dommage. Et ça, là, les étoiles comme ça, vous n'allez pas me faire croire que ça va pas ici, ça. Quand vous avez pas les. Ouh, ça, c'est pas une troïne, ça? Les cheveux d'Aragorn. Il y a des choses qui ressemblent à des cheveux. Mais on n'est jamais dessus exactement. Là, je vois des étoiles encore. J'ai du mal à croire que ça s'emboîte pas dans ces. Ah, oh, trouvé, voilà, je me disais bien que ça allait s'emboîter ces merdes-là. La pièce sombre en haut à droite qui va en bas à gauche. La pièce sombre en haut à droite. Celle-là qui va en bas à gauche, comme ça. Non. Ah. Oh oui, regardez. Eh, est-ce que Aragorn ne s'emboîterait pas? Non. Aragorn doit être un peu plus haut. Mais déjà, là, on a avancé dans la fumée. Voilà, battez-moi ça. On a bien progressé là dans la fumée. Là pareil, magnifique. Ici on va finir par trouver la saloperie qui va comme. Je refuse de croire que ça s'emboîte pas ou qu'on n'est pas proche là. Ne s'emboîterait pas dans. Ouais. Tu m'as compris. Et là, j'ai trouvé Aragorn, regardez. La trogne. Et là, pareil. Hop. Regardez. Le visage d'Aragorn. Qui se dessine. Là, ça fait fumer aussi. Trouvé. On avance. Dès qu'on va avoir des premiers repères pour des visages. Par exemple, ça, là. Ça là, rien à voir avec Indiana Jones, ça là. Ou Salamèche, le Pokémon Salamèche. Eh. Ah non, j'ai cru dur comme fer que ça allait s'emboîter, mais non. Les deux pièces en noir dessous Legolas. Les deux pièces en noir en dessous de Legolas, ça va de. Les deux pièces en noir. En dessous de Legolas, il est là. C'est pas des pièces en noir, ça va pas. Tu penses que ça va dessous Tolkien? Pourtant le. Non mais ça c'est la tronche de Gimli. Qu'est-ce que tu me racontes? Et ça, le code couleur correspond pas. Hein. Quoique si, bravo, bien vu hein. Absolument, le code couleur correspondait. Et ça là. Est-ce que c'est le même code couleur? Regardez. C'est le même code couleur, très très sombre. Est-ce que... Voilà. Regardez, les bâtards, là. On a... Hop. Ça ressemble presque... Oh putain, me dis pas que tu rentres pas ici, toi. Ou alors, plus haut. Ah, ça pourrait être plus haut. Ça pourrait être plus haut en termes de code couleur. Genre, beaucoup plus haut. On va le laisser de côté. Bon, on a presque Tolkien. Hein. On a presque Tolkien. C'est pas une tronche, ça? Non, je pense pas. Ça, je dirais que c'est un front. Mais non. Putain, en bas, la pièce au milieu à gauche. Oh! Ça va, non? La pièce en bas à droite, c'est la pièce avec la fumée. Il y a beaucoup de pièces. En fait, il y a beaucoup de pièces de fumée encore.
Dis-toi que tout le dessous là, on commence tout juste à taper. Par contre, on peut essayer de jouer les codes couleurs maintenant vont deviennent compliqués. Va falloir tâtonner pas mal. Essayer de trouver des troncs. Eh, est-ce que c'est pas... Ah putain, là, ça y était presque. Mais comme je dis, il y a pas mal de codes couleurs qui se ressemblent. Le puzzle est pas facile sur cette partie-là maintenant. On a fait la partie la plus facile. Va falloir commencer à essayer de trouver des... à gauche, à 80 degrés vers le nord. Va te faire enculer, toi. Putain. Ça, c'est de la fumée ou pas? Je pense que oui. Hein. Je vais essayer quelque chose. Non. En termes de... Ah! Non. Dommage. J'y ai cru. J'y ai... Ah oui, ça va ensemble. Voilà. Et ça, potentiellement, ça va s'emboîter quelque part par là. Là. Non. Dommage. C'est l'épaule de Tolkien. Bien vu. T'es sûr? Regarde. Ou comme ça? Bien vu, bravo, en effet, c'était l'épaule de Tolkien. Et là, est-ce que ça serait pas... Il n'y a pas une idée de... Là, la fumée, magnifique. Là, c'est très rose, ça pourrait être... Pas facile d'éteindre la couleur. Petite pièce à gauche de Gandalf. C'est un bout de veste de Tolkien, bien vu. Comme ça, peut-être, ou comme ça. Voilà, bravo. Et là, ça serait pas de la fumée? Ou comme ça? Non? Non. Pas loin pourtant. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est des sourcils, mais ça doit pas être des sourcils. Hein. C'est trop gros. Hein. C'est vraiment. Ça, hey, c'est pas une tronche, ça? Je sais pas si c'est pas une tronche. Si. Hop. J'ai trouvé le... Voilà. On y arrive, hein. Eh, les yeux, là. Les yeux. J'ai trouvé le sourcil. La pièce de droite de Tolkien va sous la manche de Tolkien. Sous la manche, comme ça. T'es sûr? Bien vu, là. Bon, les visages, ça avance bien. Est-ce qu'on n'aurait pas la tronche... Oula. Ça, là. Non. C'est sa main. Bah, les mains, on les a. Les mains, on les a. Ça, eh non, mais des fois, je vois des visages partout, maintenant. Je vois des tronches partout. Je vois des trognes partout. Je vois Bilbo partout. Attendez, des fois avec les... Il faut essayer parfois, juste avec les codes couleurs. Pour avoir des très très bonnes surprises. De mettre des pièces ensemble. Ça peut vous débloquer certains endroits. Voilà, là ça s'emboîte. Et ici, est-ce que ça là? Non. Là, c'est très très sombre. Voilà. On avance, vous voyez? Ça, c'est un putain de visage. Ou pas? Là, je récupère toutes les pièces sombres. Et on va les mettre ensemble. Hop, à trouver. Trouver. Voilà. Ça s'emboîte. Toi, visiblement, tu dois aller là. Voilà. C'est l'épaule de Tolkien. Sûrement ce que vous me disiez, mais comme je vous dis, c'est pas facile de vous écouter. Je vous écoute pas. Hein. Voilà. Eh, hey, pas mal, hein? Ça avance bien, hein? La couleur noire ici, là. Noire comme ça. Est-ce que ça serait pas... Non. On va la garder de côté. On va être patient. Et voilà. On va continuer à travailler sur...
commencer à mettre en place. Là, il y a les codes couleurs très sombres. On va essayer de trouver où ils vont. Oh là, j'aurais cru que ça pouvait aller. Genre qu'ils peuvent peut-être après s'emboîter. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'emboîtent nulle part. Ils doivent être juste plus bas. Oula. C'est l'épaule. Putain, l'épaule! C'est l'épaule? Bien vu. Et ça, est-ce que... Non. Lui, je ne sais pas où il... Quoique noir comme ça, est-ce que... Putain. Trouvé! Voilà! Eh, on avance, hein. On avance, doucement mais sûrement. Et toi, là, est-ce que tu irais pas là? Voilà! Eh! On y arrive! Là, avec du blanc comme ça. Ça, ça ressemble à une barbe. Est-ce que ça serait pas la barbe de Gimli? Non, dommage. Ça aurait pu être. Ou la barbe de Thorin? Non, c'est trop clair. Vous savez que là, on a déjà un sacré assemblage de trognes. Je vais essayer de continuer à jouer sur les codes couleurs. Les trois pièces ensemble, c'est pas le visage. Les trois pièces ensemble à droite, c'est pas le visage de Frodo. Ça. Non. Les trois pièces à droite. Elles sont déjà assemblées? T'as trois pièces à droite de Legolas, elles ne s'emboîtent pas. À droite de Legolas. Mais les trois pièces à droite de Legolas, c'est. Là, il y a Bilbo. Lui, je sais pas qui c'est. Ça doit être Legolas. Et là, c'est Frodo. Mais je pense pas que. Regardez! Non! Il nous manque les sourcils de Frodo. Ça, là. Ah, putain, non, c'est pas les sourcils. La pièce sombre au milieu à gauche. Putain. La pièce sombre au milieu à gauche va en haut à droite. En haut à droite. Comme ça. Et... Ça aurait pu, hein. Ça y était pas loin, je pense, en termes de code couleur. Ou en tout cas, ça ne doit pas en être loin. Mais il y a un petit côté blanc... Là. Voilà. Oh putain. Là pareil, celle-là. Il y a le code couleur. Comme je dis, il n'est pas facile le puzzle là maintenant. Parce que les codes couleurs, c'est tous les mêmes. Hop, trouvé. On va devoir, comme je dis, j'aime bien jouer avec les codes couleurs, moi. Est-ce que là... Ah, on doit pas en être loin. Trouvé ! Aragorn ! Ok, on commence à avoir des bases de travail. On commence à avoir des bases de travail maintenant pour essayer de trouver des codes couleurs. Comme là. On va réussir à trouver des choses maintenant. On va être patient et on va grignoter. Token, il fumait du long bottom. Le long bottom, c'est du tabac. C'est rien d'autre que du tabac. Le long bottom. Non. Ouh, là, le code couleur. Ah, voilà, voilà, on a le côté d'Aragorn ici. Et là, hop, voilà. Pas mal. Les trois pièces, oh putain, en haut à droite. Putain, les trois pièces à coller juste en dessous. Juste en dessous de quoi? Est-ce que ça, c'est pas... Ah, j'y ai cru que ça aurait pu être... Ça, c'est le coup. C'est le coup de l'autre, là. Tout ça, c'est des features de visage, tout ça. Faut juste que je trouve... Faut juste trouver où ça va. Non. Le front, là, il est vachement... Il doit y avoir une pièce très claire avec un front. Là. Voilà, regardez.
Et là, ça, c'est un trait de visage. Est-ce que ça serait pas un... Non. 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 Ah putain, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est un visage qu'on n'a pas encore trouvé. Oh, je l'ai trouvé là par accident, juste avec le code couleur. Là, j'ai deux pièces d'assemblée. Je sais pas ce que ça donne. Si c'est un visage, je vois pas. En termes de code couleur, là, non. Ça doit aller quelque part. Hein. On va... Est-ce que ça irait... Attendez. Non. Comme je dis, les codes couleurs sont compliqués, là. Tout se ressemble. On va chasser un petit peu tout ça. On va essayer de faire des... On va expérimenter. Non. Comme ça. Non. C'est le casque de Gimli. Putain, bien vu. Ah ouais, c'est le casque de Gimli, en effet. Mais il me manque le visage de Gimli. Mais est-ce que ça irait pas là? Ah, j'y ai cru. Ou comme ça? Attends. Non. Ça doit aller dans ce coin-là, hein, je pense. Hein. Et là, les pièces ressemblent... Ah, dommage, le code couleur se ressemble trop. On va continuer à travailler sur le sombre. Tiens, ici on a trouvé, voilà. On trouve plein de petites pièces qui s'emboîtent. Ça nous permet de préparer les bords. Faut être patient. Quand vous payez... Faut pas hésiter, ouais, à prendre son temps pour le bâton de Bilbon. Est-ce que ça, c'est pas la tronche de Gimli? Non. Putain, mais la tronche de Gimli, au secours. Même les yeux de Frodo. Les yeux de Frodo. Ça doit se trouver, les yeux de Frodo. Avec sa gueule de cake, là. Regardez. Ah, dommage, j'y ai cru. Hop. Va à droite dans la pièce que tu as mis. Comme ça? Non. Comme ça, peut-être, Thorin, attends. Ah ouais, bien vu. Hop là, très bien vu, Thorin. Thorin, en effet, qui va à droite. Joli. Voilà. Ça prend forme, hein. Ça prend forme. Non mais putain, tes trois pièces assemblées, 2 cm à droite, non mais oh. Tu me vois avec mon double décimètre, là? Doucement, le backseat de tes morts, là. Laisse-moi m'amuser un peu, on n'est pas pressé, non? Ça, c'est pas le... Non, j'ai essayé tout à l'heure. Ça marchait pas. C'est le roi de Raven, fais pas chier. 2 cm à droite, pépé. Pépé, 2 cm à droite. Là, ça va, là. Hop. Un simple suffit pour toi, et encore, Galpin. Un simple centimètre, Galpin, suffit. Tu me surestimes grandement, Galpin. Hop là. Les mecs, c'est pas un concours d'aller le plus vite. Pas besoin de... Hop, ça va là. N'est pas pressé. Moi, je chill en faisant ça. Ah, c'était ça que tu disais, fanatique, les trois qu'il y avait sur le côté, bien vu. Bon. Ça, là. Cette couleur de merde. Je me dis que c'est peut-être une barbe, mais je trouve nulle part où ça va. Ça ressemble à une gueule. Peut-être la barbe de Gimli. Il reste encore des étoiles, là. Voilà, tiens, hop. Thorin, c'est parti. Bon, il reste plus que les visages, hein. On avance, hein. Ça, là, ça va là-haut. Voilà. On va continuer avec le code couleur, hein. Vous savez quoi? On va chasser le code couleur. Et on va finir par boucher les trous. Comme ça, de même. On va faire le ménage dans le code couleur. On va virer tout ce qui est sombre. On va virer tout ce qui est sombre.
ça là. J'ai l'impression que c'est une barbe. Mais je ne trouve pas ce que c'est. Hein. C'est pas grave. Là, j'ai pas mal de petites pièces avec des étoiles. Non. Ah, dommage. J'y ai cru. J'y ai cru pour une seconde. Là, j'ai rien trouvé. C'est aussi sombre comme ça. Ça doit aller là, ça. Non. Comme ça. Non, ça, c'est encore des bouts de fumée. Hein. Ça doit être encore des bouts de fumée à la con. Hein. Il te reste 10 minutes. Comment ça, il reste 10 minutes? Mais non, il ne reste pas 10 minutes. Eh, c'est pas de compétition. Puis quoi encore? Trouvé! C'est pas la manche de Tolkien, la pièce que tu as. Ah, peut-être que là, bien vu, c'est la manche de Tolkien, absolument. Le visage en bas à gauche, c'est celui de Gimli. Ouais, c'est celui de Gimli, je pense. Je suis en train de regarder si ça s'emboîterait pas, mais non, il doit me manquer. Il me manque quelques petites pièces encore. Mais ça commence à se mettre en place. Hein. Non. Là, il me faudrait. Attendez, je vais chasser une pièce en particulier. Je veux avoir la tronche, la joue. La joue droite. La France a gagné contre l'Angleterre. Là, dans quoi? En quoi? Oh, ça passe pas, t'es sérieux? Rugby, ouais, rugby. Hop! Je pensais que tu m'enverrais chier. Ah bah écoute, je t'envoie chier, voilà. S'en fout du rugby. Ce sport de sauvage, là. Oh, c'était Aragorn, voilà! On avance! Le code couleur, les gars! C'est en bas du village, de Gimli. C'est la joue gauche de Frodo. Je me rappelle plus où est le visage de Gimli. Là, la joue gauche, bien vu. C'est absolument là. Oula. C'est absolument la joue gauche de Gimli. Bien vu. La joue gauche, pardon, la joue gauche de Frodo. Et est-ce que ça, là, regarde. Hop. Regarde. Quelle avancée. Non. Non plus. Quoique le code couleur... Oh, j'ai cru, là, le code couleur. Non. Voilà. Et ça, là. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça serait pas une barbe? Non, c'est pas une barbe, dommage. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai deux jolies pièces qui vont ensemble. Est-ce que ça serait pas... non. C'est le front de Frodo. Ça, c'est le front de Frodo, tu penses? Bien vu. Très bien vu, putain. Ça, t'es chaud, Sandricha. Ce qui serait le col de Bilbo, absolument. Regardez. Hop! Et ça nous fait un sacré morceau, hein. Ça nous fait un beau morceau qui devrait peut-être s'emboîter dans... Non, mais qui... Voilà, regardez. Hein. Trouvé. Regardez, pas mal. Vous avez vu comment une pièce fait toute la différence? Petite pièce de merde. Des fois, vous êtes coincé et d'un coup, bam! Et là, ça va là. Magnifique. Voilà, le casque. Et hop! Hop! Regardez ça! Je fais des puzzles à 2000 pièces. Bah écoute, là je suis à 260 et j'en chie déjà. Hein. Ça ressemble à un visage et ça c'est Thorin. Voilà. Là ça a l'air très sombre. On va essayer de trouver le code couleur.
Là, voilà, au code couleur. J'avais oublié que j'avais encore des pièces en bas. Là, il y a de la fumée. Il y a encore un peu de fumée, là. Je suis sûr que ça doit aller quelque part comme ça. Mais je trouve pas. Pièce blanche. Putain, pièce blanche à droite. Pièce blanche à droite. T'as pas l'impression qu'à droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 pièces blanches. Au secours. Ça, là. Ça, c'est pas de la fumée, ça? Oh, pardon. Oh, putain. En termes de code couleur, ça avait pas l'air mal, mais c'est pas ça. Sub goal à 2000 pièces. Ah non, 2000 pièces, mec, c'est beaucoup, 2000 pièces. Il y a un bout blanc. Vous voyez, il y a un bout. Est-ce que c'est pas un... Attendez, je vais virer ça, parce qu'il y a trop de pièces là qui me dérangent. Je vais remettre des pièces sur le côté. Voilà. On va faire un peu de ménage. Voilà. Toi, là, trouvé. Et là, il nous faut une petite pièce facile à trouver. Attendez, je teste. Non. Celle-là, là, comme ça. Voilà. Avec les teintes, c'est facile maintenant. On arrive à trouver... Bon, maintenant, il va falloir assembler les visages. On va essayer de trouver les trucs les plus clairs. Les trucs les plus clairs, ça va correspondre peut-être à des trognes. Comment ça se fait qu'on n'ait pas encore trouvé la sale gueule de Tranduil? Ah, regardez, le torse. Le haut du cou d'Aragorn. Trouvé. Maintenant, je vais essayer de trouver Tranduil. On va essayer de... Est-ce que ça, là... Ah, non. C'était le coup de Legolas. Voilà. On va jouer avec les codes couleurs. Tranquille. Voilà. Une pièce très sombre là-bas. La pièce tout en bas à gauche, c'est le col de Bilbo. Putain, la pièce tout en bas à gauche, c'est le col de Bilbo. Celle-là, c'est le col de Bilbo. Non, ça aurait pu. Bien vu, tu parlais de celle-là sûrement. Pièce tout en bas à droite pour Tranduil. Tout en bas à droite. Bien vu, celle-là. Bravo. Eh ouais, trop tard, Galpin. Trop tard, Galpin. Galpin à la ramasse. Ah ça, pour se foutre de la gueule de ma petite bite, il y a du monde. Hein. Par contre, pour trouver des pièces de puzzle, là, il n'y a plus personne. Après, c'est Galpin. Sommes-nous vraiment surpris? Pas vraiment. Voilà. Rien qu'avec les codes couleurs, maintenant, c'est facile. Même avec les formes des pièces, on peut s'y trouver, enfin, on peut s'y retrouver. Eh, la tronche de Gimli. Non, dommage, j'y ai cru. Non, mais là, on va trouver tranquille. La pièce sombre à gauche, fin de la tête de Bilbo. Celle-là? Ouais, facile. Ah, dommage, le code couleur était pas mauvais. Voilà. Non, mais la fumée, c'est pas possible. Hein. Elle m'aura trollé jusqu'au bout, la fumée. Hein. Non, mais putain, c'était pas la fumée! C'était la chemise de Bilbo, putain! Voilà pourquoi je me faisais baiser depuis tout à l'heure. Allez, hop, ça avance, facile. Code couleur. Voilà. Ouh, là, j'y ai cru. Ouais, tu peux la connaître à la forme, absolument.
Là, maintenant, ça devient un peu facile. Ça devient, on a fait le gros du truc. Et rien qu'avec les formes, tu peux réussir à trouver maintenant certaines pièces. Voilà, là, on a fait le gros du travail. Voilà. Maintenant, ça va être de la. Voilà. Facile. Il n'y a même pas Pipin. Ah bah non, mais c'est des personnages secondaires. Pipin, le tueur de Maya. L'être le plus dangereux. L'être le plus dangereux de l'histoire de Terre du Milieu. Et voilà, on finit tranquille. Sympa, hein, le petit puzzle là. C'est un 260 pièces. 260 pièces. Très joli. Pas facile. Pas facile parce que le code couleur et les codes couleurs sont sur la partie supérieure sont quand même chauds. Hein. Mais ouais, avec les visages et tout, on arrive à. Voilà quoi. On arrive à s'y retrouver. Bon, je sais pas trop ce que je ferai demain en début d'après-midi. Et quoi qu'il arrive, attendez, on va finir sur l'éruption. Hein. À 2 minutes. Ah, t'avais fait un pari, Galpin! Putain, j'ai. Oh, regardez la quantité de lave. Regardez ça, c'est pas beau. Les fontaines de lave. En direct. À 30 bandes de chez moi. Même pas. Impressionnant, hein? Ça dépote, hein? Beau pays, l'histoire, hein? Bon, visiblement, c'est pas dans Grindavik, ça doit être sur les collines au-dessus de Grindavik, visiblement, sur Agafell. C'est vraiment bon, c'est très très impressionnant. Très très impressionnant. Il manque la partie 5 de Dolavrot. Allez, partie, allez, bien, absolument. C'est juste qu'elle passe à la review. Je me suis fait flag, je pense que Imari l'a fait trop de kills. Et le bot YouTube a dit non, c'est pas possible. Et allez, elle passe à la review. Donc le bot m'a flag, il doit demander une review manuelle. Ça prend quelques jours. Oui, il est enseveli. Non, le village est encore debout, mais invivable, entre autres à cause des fissures, des crevasses. Et que bah, c'est en plein sur une crevasse où la lave pourrait sortir. Dans le village, c'est fini. Ils vont dégager les gens, ils vont racheter les terrains et ils vont dire allez, acheter ailleurs. Voilà. Ville de 2000 habitants qui passe à la trappe à l'échelle de l'Islande, c'est énorme. Ou César 3. Non, j'ai déjà fait pas mal de César 3 cette semaine. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là. Donc, ouais, demain, je sais pas trop ce que je ferai en début d'après-midi, mais quoi qu'il arrive, à 20h, il y aura Résus qui sera là. Et avec Résus, on continuera notre petite campagne. On a tous les deux hâte de jouer avec les Vandales et les Ostrogoths sur Attila Tatawa. Bon, allez, sur ce, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Profitez bien. Peut-être à demain. Puis sinon, passez une bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.